Bonjour Stéphanie. Bonjour. Tu viens de Grenoble. Tout à fait. Tu viens de participer à un Active Boost. Oui. Et comment tu te sens? Très bien. Très dynamisant comme ambiance. C'était, en plus, on était un super groupe. On n'était que des nanas, mais c'est pas grave. Il y a une super cohésion. C'était très intéressant. Ça remet les idées un peu en place aussi. Puis ça nous permet d'avoir d'autres approches sur nos profils. Ce qui est une très bonne chose. D'accord. Tu peux nous dire un peu ce que tu as ressenti pendant l'atelier ? C'est beaucoup d'énergie, positif justement. Même si à un moment, on nous demande de nous dire tout ce qui est négatif dans la recherche d'emploi, de donner les sentiments qu'on a à ce niveau-là. Malgré tout, c'était comme on était un groupe, il y a l'effet de groupe qui se met en place et une véritable osmose. Et c'est très gratifiant et vraiment je ne regrette pas d'avoir fait cet atelier, c'était génial. Super. Est-ce qu'on peut faire le jeu de l'optimisme et de la gratitude? Allez, allons-y, l'optimiste et la gratitude. Ok, alors un moment en particulier que tu as apprécié dans ta journée en général? Dans la journée en général, franchement ce matin je me suis levée, j'étais grave à la bourre, je me suis dit j'y vais pas et finalement je remercie mon optimisme et le beau temps, je me suis dit allez vas-y, ça peut être que bien. Okay. Et je me remercie sur ce point là parce que c'était une très bonne idée. Cool, t'as grillé toutes les étapes et toutes voilà, les questions, mais c'est pas grave. Ah mince, on a tout. Merci à toi Stéphanie. Merci à vous surtout. Ouais. Et je conseille de faire cet atelier à n'importe qui cherche un emploi et qui se sent seul, parce que soudainement il y a une vraie cohésion d'équipe qui se met en place. Donc merci Active Boost. Merci à toi.